Et salut à tous les petits poulets Tiki Club, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui... Ça commence bien déjà. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo où on va tester vraiment un objet, enfin plusieurs objets, c'est vraiment une vidéo où on va découvrir, unboxer des objets insolites chez Amazon. Parce qu'il est vrai qu'avant je faisais des vidéos où en fait j'ouvrais plein de colis vraiment divers et variés, assez insolites, sur diverses marques, et je me suis dit pourquoi pas refaire Amazon, parce qu'Amazon c'est quoi? Eh bien il y a vraiment plus d'un million de produits. Bref, avant d'ouvrir tous ces colis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si tu veux plus de vidéos unboxing de produits insolites. Bref, mon petit Aiden, est-ce que tu es prêt? I'm ready! Et bien, c'est parti! Bon, on va commencer directement par ce premier colis, parce qu'il a l'air petit, mais c'est pas parce qu'il est petit, parce que c'est pas la taille qui compte. Ah. Non, ce que je te préviens, c'est pas la taille qui compte. Ok. Voilà. Bah, toujours gros et tout, genre. Bref. Là, les petits potes, le premier colis, c'est tout simplement ce colis. On a affaire à un objet où, en fait, je pense que au local, on va kiffer. Au local, c'est sûr qu'on va kiffer parce que c'est tout simplement un pistolet élastique. Ou en fait, c'est... Je vais t'expliquer rapidement. On va l'ouvrir, cet objet, et je vais vous dire tout ça. Il y a ça. Il y a un pistolet en bois et des élastiques. Le but, c'est très simple. Est-ce que tu connais vraiment les magnums? C'est vraiment les gros revolvers de cowboy. Ouais, voilà, de cowboy. Eh bien, ça a le même principe. En fait, t'as juste à faire ça, regarde. Admettons, tu fais ça. Tu prends des petits élastiques. Tu mets l'élastique juste ici. À faire en mode, voilà. Tu le mets là. Et apparemment, si tu tiens... Attention à tester. Aïe. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Je vais tester sur toi. Vas-y, tu veux tester. Et les amis, ça en fait, je crois que ça coûte même pas 15€, 10€ sur Amazon. Et franchement, ça, c'est plutôt cool pour faire des petits trucs sympas. Vas-y, teste sur moi. Ça fait mal. Ça fait un petit peu mal, c'est pas non plus la folie. C'est pas vraiment la folie en mode flash à te... C'est pas un pistolet à billes quoi. Voilà, c'est pas un pistolet à billes, mais franchement, ça fait mal quand même. Ça marche, et en plus c'est tout fait en bois genre. Ouais, franchement c'est tout fait en bois, franchement niveau qualité, bah c'est plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, ça vaut 10€, et si vous voulez, à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais tirer sur quelqu'un du local en bas. Mais on verra ça à la fin de cette vidéo, les petits potes. Bref, on le met de côté et on va passer au deuxième produit de cette vidéo. Le deuxième produit, il est tout simplement ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est vraiment le colis le plus lourd, en fait, je pense. Lourd, et c'est tout simplement... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, les petits potes, ben, je pensais pas le recevoir aujourd'hui, mais je l'ai reçu aujourd'hui. En fait, ça, c'est directement le sponsor de cette vidéo, et on va en parler tout de suite maintenant. C'est tout simplement, les amis, un robot aspirateur. Mais là, vous dites, ouais, des robots aspirateurs, on en a assez vu sur la chaîne de Geekmap, ou alors sur plein de chaînes différentes. Mais les petits potes, un aspirateur comme ça, vous n'en avez pas vu sur d'autres chaînes. C'est pas possible. Parce que de 1, il vient de sortir. Et de 2, regardez-moi son design. Hop là, regarde-moi ça. Comment il est stylé, les potes. Il est tout petit. Genre, par contre, t'as vu, j'ai déjà testé plein d'aspirateurs robots et tout ça. Et franchement, celui-là, il est assez petit. Donc, qui veut dire petit, dit passe-partout, les potes. Il a demandé passe-partout. Non, mais ça parle de l'aspirateur. Ah, ok. Oui, non, mais t'inquiète. Donc bien sûr, il est livré avec sa notice, avec des changements en fait, parce que cet aspirateur robot permet de nettoyer et laver en même temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est l'échange. Et bien sûr, les petits trucs qui servent à tourner pour en fait prendre la saleté de chez toi et se remonter. Le support de charge. Et il me semble que ça suffit pour bien nettoyer ta maison. Bref, est-ce que t'es chaud pour qu'on le teste? Moi, je suis chaud. Franchement, je suis chaud. On va tester juste en bas. Donc les potes, le robot est juste ici. Il est en train de charger. Aussi pour vous dire que ce robot, il a un réservoir de 600 ml pour mettre toute la poussière et tout ça. Une puissance de 4000 PA. En gros, ça t'aspire tout ce que tu veux. Que ça soit des clous, des graines, enfin bref, n'importe quoi. Et le plus important au niveau d'autonomie, il a 200 minutes d'autonomie. Et on va tester ça tout de suite. Déjà, est-ce que ça aspire bien? En appuyant juste sur ce bouton. Attention! Oh là là! C'est parti! Il va monter! Ne vous inquiétez pas, il va pas tomber. En principe, il est censé bien résister. Regardez, attention! Et non, il ne tombe pas. Regardez-moi ça! Comment il nettoie! Il nettoie en profondeur! Mais c'est super stylé en fait! Regardez-moi ça! Il nettoie, mais super bien! Regardez-moi ça! Tout va aller dedans là! Bien sûr, comme tous les robots aspirateurs, vous avez une application qui permet directement de planifier, de gérer directement la zone de votre habitation pour qu'il passe le ménage et tout ça. Bref, il y a une bonne promotion, je vous mets tous les liens en description. Bref, et puis sur ce, prochain produit. Bref, là maintenant on attaque les produits vraiment, mais vraiment solides de cette vidéo là. Et là, il y a... Ok, 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 ok. Tu vois, ok,
Ok. Il y a 1, 2, 3, 4 objets à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est déjà le grand truc que tu tiens? Ça, on va le voir juste après parce okay. que franchement, c'est un truc, il faut avoir au moins 18 ans. Ou alors vraiment comprendre un peu le... Enfin bref, je vous expliquerai après. Alors, commençons par ce premier objet. Qu'est-ce que c'est que ça à votre avis? Attends, Lévi, qu'est-ce que c'est? Maintenant, tout de suite, tu dis le... qu'est-ce que c'est? Une PS5. Une PS5, pas du tout. C'est directement la Bible. Hein? J'étais sûr qu'il allait réagir comme ça. Non, bien. Je te dis bien que c'est pas la Bible, c'est quelque chose de bien plus stylé. Tu veux, quand j'ai vu ça sur Amazon, je me suis dit, waouh, mais déjà de 1, ça existe vraiment, parce que de, moi j'avais vu que ça dans les films, si tu veux. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a une putain de Bible, un livre, voilà, de croyances à propos de Jésus et tout ça. Ce livre renferme directement un coffre fort, les potes. C'est trop stylé, franchement, c'est trop stylé. Là, en fait, directement, t'as un livre comme ça, tu vas pouvoir ranger dans ta bibliothèque, mais dès que tu voudras cacher quelque chose, en mode, je veux cacher des petits sous, tout ça, pour économiser, pour pas que moi, mon petit frère le prenne, et directement, ça sent. Tu dis ça. Je sais pas. C'est chelou. Et ben, vous allez directement prendre ça et voilà, vous pourrez mettre n'importe quoi dedans. T'imagines un peu genre là, mode, je mets mon téléphone, je mets ça, hop, je veux pas qu'il touche. Et en fait, il est caché, tu ne peux plus le... Je viens de le fermer à l'instant, non? Mais oui, il n'y a pas le code, t'as pas fait le code. J'ai pas fait le code. Ah, c'est bon. Fausse alerte, les potes. C'est vrai qu'on peut fermer. Donc vous inquiétez pas, hein, comment changer le mot de passe, il y a directement un truc, dès que vous l'aurez acheté, il y a directement un truc qui montre comment changer le mot de passe de ce coffre-fort, donc ça c'est plutôt stylé. Donc franchement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement c'est plutôt stylé. Ah oui, c'est vraiment quasi quoi. Enfin, franchement, genre, déjà de 1, faut le trouver, parce que si t'as une bonne bibliothèque, tu le mets dedans, faut vraiment le trouver, et une fois que tu l'auras trouvé, tu le prends et il va falloir trouver le code, donc là, bonne chance, tu vois ce que je veux dire? Et ça les potes, ça coûte seulement 16€, donc ça, moi je trouve que c'est assez abordable. Tu veux avoir ton petit coffre-fort et tout ça, qui peut se glisser n'importe où, si tu as une bibliothèque, bien sûr, parce que si tu le mets à un endroit à côté de la télé, tu t'es dit bon, il n'y a qu'un livre, le mec est pas trop instructif, tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin bref, c'était le troisième objet de cette vidéo, il en reste 3. Là, mon petit poulet, je pense qu'on va bouger et on va directement aller aux toilettes du local. Parce que là, on va installer un objet qui, je pense, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Ça fait maintenant un an que c'est assez en vente sur Wish, sur AliExpress, sur Amazon, enfin bref, sur plein de sites. Je veux bien sûr parler d'une lampe. Mais une lampe qui va servir pour quoi, à ton avis? Qui va servir pour des toilettes. C'est directement une lampe où tu vas la mettre, tu mets des piles, tu le mets dedans et dès que ça va te capter, genre dès que tu vas vouloir faire la grosse commission, tu vas te mettre comme ça, hop, tu enlèves, tu fais, hop, tu te mets et bah, directement ça va s'allumer et tu vas pouvoir voir ce que tu as dégagé de ton corps quoi. Est-ce que tu veux tester ça? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc là les potes, je viens de mettre directement les piles. Voilà, on va refermer et ça clignote déjà. Donc ce qu'on va faire, là maintenant tout ce qu'il y a à faire, c'est directement de mettre ici. Voilà, tu as le truc ici et en fait tu fermes. Voilà. Le but c'est directement tu fais ça et apparemment si tu éteins la maintenant tout de suite. Attention, 3, 2, 1. Regarde ça! Des toilettes qui s'allument! Regardez-moi ça! Putain de toilettes qui s'allument, c'est énorme. Là en gros tu peux faire caca, tu vois, tranquille, et tu vois directement ton caca. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça change de couleur, ça en mode. Oui, ça change de couleur, c'est RGB. Ça c'est Pikachu qui va adorer, il adore tout ce qui est RGB alors là. Est-ce que tu valides ça un peu ou pas? Tu sais ce qui va se passer là? Non. Je vais m'amuser à pisser dessus tout le temps. Le mec, non, tu ne pisseras pas dessus. Bref, la lumière, c'est validé. L'avant-dernier objet de cette vidéo, il est tout simplement, il est là, il est beau, il est seul, il est cher, il est beau. On dirait que t'étais au marché en fait surtout. Ah ouais. Il est beau, moins 50% sur le deuxième, allez hop, 5 saucisses sont achetés, 5 saucisses sont achetés. J'ai carrément ouvert le truc sans dire ce que c'était. Mais là, vous allez comprendre directement ce que c'est et c'est dangereux cet objet. Là, c'est, je trouve, franchement, c'est l'objet le plus dangereux de cette vidéo. Déjà, est-ce que ça te donne une idée de qu'est-ce que c'est? On dirait vraiment un espèce de couteau. Ouais. Vu la forme, on dirait plus un briquet, tu sais, les gros briquets que t'as allumés. Un briquet de style... Oh l'enfoiré, c'est en mode silex. Ah ouais. Style comme ça, c'est bon. Tu vas brûler. Oui les amis, pour directement, je crois, à peine 12-13€, vous avez un briquet à main. En gros, tout ce qui va se passer, en gros, voilà, regardez, vous expliquez. Il y a ça qui est livré avec, et en fait, tout le but, c'est en fait, tu peux faire du feu à autant que tu veux. Tu peux faire du feu, genre, en gros, ça fait limite comme... J'ai reçu une étincelle. Ah ouais? Arrête, j'ai reçu une étincelle. Ça m'a brûlé vraiment, ça. Arrête, ça brûle vraiment, wesh, mais il est con, lui. Mais tu sais que ça brûle vraiment, c'est pour faire du feu. Ah ouais? Et franchement, ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que ça, tu le transportes si tu veux aller en voyage et tout ça. Et au lieu d'avoir un briquet, bon, si t'as un briquet, c'est bien, c'est mieux. Mais si t'as pas de briquet, eh ben ça, c'est mieux. Théora, il l'a pris, tout se l'est fait livrer sur l'île. Ah, après, il a fait, j'ai fait le signe. il se l'est fait livrer sur l'île. Non, c'est pas du tout, ça fait mal! Ça fait mal!
t'ai touché avec le bout qui était vraiment... Ça m'a fait mal, oh. Arrête Harry Potter, arrête. Les gars, tu voulais bien ça. Mais non, mais... Abandonne. Bref, on va arrêter là parce qu'on va foutre le feu partout en local. Bref les amis, le dernier objet de cette vidéo, ce n'est rien d'autre que... Genre, à ton avis, qu'est-ce que c'est? T'as dit que c'est un truc pour plus de 18 ans, je sais pas quoi. Truc de plus de 18 ans? Déjà, est-ce que ça te donne un indice, genre ça? Oh l'enculé. Les amis, j'ai tout simplement acheté, je crois pour même pas 15€ sur Amazon, directement, un calendrier de l'Avent spécial Kamasutra. En gros, attends, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. En gros, chaque jour... En gros, apparemment, chaque jour, il y a une position du Kama Sutra. En gros, si toi tu es une partenaire, si toi tu m'écoutes, que tu as actuellement une partenaire et que en fait tu veux faire des petits jeux et tout ça, directement sur Amazon, tu vas pouvoir chaque jour expérimenter une position sexuelle. Et t'as des délires bizarres. Non, mais non, mais ça je l'ai acheté pour la vidéo. Il a des délires bizarres, les mecs. Mais non, je l'ai acheté pour la vidéo parce que c'est 5 objets insolites chez Amazon. Et du coup, j'ai eu ça. Mais attends, il y a quoi dans le truc? Parce que en gros, viens, on ouvre la. Le jour 18. Attention, vous êtes prêts? 25, ça, Père Noël. Attention, 3, 2, 1. L'union des amants. Position des rapports imprévus, surnommée slip aux chevilles et robe relevée et pratique. Qu'on a 10 minutes à s'accorder. C'est la position que tu dois faire. Exactement. Bref, si ça vous intéresse, ça c'est sur Amazon. Et franchement, ça c'est stylé. Offrez-le à vos parents. Offrez-le à vos parents pour Noël. Vous entendrez beaucoup de bruit la nuit. Bref, voilà les amis, on aura testé des objets sur Amazon. Et franchement, je suis plutôt satisfait de tous les objets. Ça m'a coûté environ 80-90€ pour acheter tous ces objets. Franchement, c'est plutôt abordable. Voilà, si vous voulez acheter des objets plutôt insolites, plutôt intéressants, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire pour terminer cette vidéo, on va prendre ça, on va charger ça et on va tirer sur Pikachu. Parce que là, actuellement, il est en train de faire son montage, je suis sûr. Et on va lui tirer dessus. Est-ce que t'es prêt, mon petit Aiden? Allez, c'est parti. Quelque chose qui fait mal. Non, non, ça fait pas quelque chose qui fait mal. T'inquiète. C'est quoi? C'est un pistolet. C'est un pistolet. Élastique. Regarde, avec un élastique. Tu le mets, ça t'a fait mal? Un peu, je me suis dit qu'est-ce que c'est qui m'a tapé. Tu le mets en mode comme ça. Non mais lui mets pas, après il va me tirer dessus. Lui mets pas, il va me tirer dessus. Arrête, arrête. Il est parti. Il m'a loupé. Bref les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo et à me marquer en commentaire des idées d'objets que je pourrais commander et tester en vidéo. Et puis sur ce, si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap, allez bye tout le monde.